Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager le top 5 des compléments alimentaires les plus intéressants en musculation. Il y a pas mal de questions qui sont posées à propos des compléments alimentaires. Généralement, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup, ces questions, c'est par exemple, est-ce qu'ils sont vraiment indispensables? Est-ce qu'ils sont utiles? Ou au contraire, est-ce que c'est de l'arnaque? Et moi, je te dirais que la réponse à cette question, c'est un peu les trois au final. Sauf peut-être pour le côté indispensable, parce que aucun complément alimentaire est indispensable, tu peux très bien t'en passer et avoir de beaux résultats. Tu peux d'ailleurs retrouver aussi des compléments alimentaires qui sont complètement inutiles et qui pour moi sont de l'arnaque, et d'ailleurs j'avais justement fait une vidéo à ce sujet, donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller voir cette vidéo juste après cette vidéo, elle va s'afficher en haut à droite de l'écran. Et d'un autre côté, il y a des bons compléments alimentaires qui peuvent être utiles et t'aider dans ton plan alimentaire, mais aussi dans ton parcours en musculation, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et avant de te parler du premier complément alimentaire, je vais faire une petite parenthèse parce que je ne vais pas rentrer dans les détails à 100% pour chaque complément alimentaire. Je vais te citer quelques bienfaits et pourquoi moi je trouve que ce sont des compléments alimentaires intéressants, mais je vais pas non plus rentrer dans les détails et les études scientifiques parce que j'ai pas envie que ce soit chiant et ennuyant à regarder. Le premier complément alimentaire que je conseille et que je consomme moi personnellement, c'est la whey. Et la whey, je pense que c'est l'un des compléments alimentaires qui est le plus consommé en musculation et dans le fitness de manière générale. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec la protéine en poudre, c'est que c'est pratique. Tu peux consommer ça n'importe où, c'est rapide et ça te donne ton quota de protéines. Parce que oui, les pratiquants de musculation ont besoin de consommer plus de protéines qu'une personne qui fait pas de sport, parce que les sportifs consomment plus de protéines. Et la whey peut être intéressant justement pour combler notre apport en protéines. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas tous le temps et le mode de vie adapté pour cuisiner et manger de la viande toutes les 3 heures. Déjà pour une question économique, ça te reviendrait beaucoup plus cher de consommer de la viande, et aussi pour une raison écologique. Mais la whey va être surtout utile pour bâtir du muscle, parce qu'elle va participer à la reconstruction musculaire après un effort, à la récupération de manière générale, et aussi ça va favoriser l'anabolisme. Le deuxième complément alimentaire que j'aime beaucoup et que je conseille, c'est les oméga 3. Évidemment, les oméga 3, on peut les retrouver dans la nourriture solide, mais ça va devenir un petit peu compliqué d'avoir un bon quota quotidien uniquement avec la nourriture. Et c'est pour ça que dans ce cas-ci, les capsules d'oméga 3 peuvent être intéressantes pour maximiser ton apport en oméga 3. Et les oméga 3 vont être intéressants en musculation, mais aussi pour le côté santé. Parce que ça va t'aider à prévenir et combattre les inflammations et favoriser la croissance musculaire. Le troisième complément alimentaire que je conseille, c'est le magnésium. Alors pourquoi le magnésium? Déjà parce que la plupart des gens sont en carence. Mais ce qui va être particulièrement intéressant avec le magnésium, c'est qu'il va t'aider à réduire le stress, la fatigue, l'anxiété et l'insomnie. Et pour le côté muscu, le magnésium va aider à favoriser la contraction musculaire et aussi à avoir une meilleure synthèse protéique. Un autre complément alimentaire super intéressant, ça va être la créatine. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pu consommer de créatine, mais je prévois d'en reprendre ici sous peu parce que c'est vraiment un bon complément. Et la créatine, c'est un complément que tu peux retrouver sous deux formes, en gélule et en poudre. Et tout comme les trois premiers compléments alimentaires dont je t'ai parlé, c'est un complément que tu peux prendre à l'année. Il n'y a pas de période spécifique pour en consommer. Et ce qui va être intéressant avec la créatine, c'est que ça va aider à remplir les réserves d'énergie de ton muscle. Avec la créatine, tu vas pouvoir t'entraîner un petit peu plus longtemps et intensément. Tu vas gagner aussi un petit peu de force. Mais attention à ne pas confondre avec des stéroïdes. C'est clairement pas la même chose. Ça a clairement rien à voir. Et la créatine est légale. Et le cinquième complément que je trouve intéressant, c'est les EAA. Et les EAA, c'est le diminutif de essential amino acide, ce qui veut dire en français acides aminés essentiels. Et les EAA, c'est un complément alimentaire qu'on va prendre plus souvent pendant l'entraînement ou autour de l'entraînement, que ce soit avant ou après. Dans les EAA, on peut retrouver des BCAA, c'est un petit peu la même chose, sauf que les EAA sont un petit peu plus complets. J'ai fait une vidéo à ce sujet en ce qui concerne la différence entre les BCAA et les EAA. Donc pour éviter de me répéter, je t'invite à cliquer sur la fiche qui apparaît en haut de l'écran si jamais tu veux en savoir plus. Mais là, je vais plus me concentrer sur les EAA parce que c'est un complément que moi, je prends. Et l'avantage de consommer des EAA, c'est que ça va réduire la fatigue musculaire pendant ton entraînement. Tu vas pouvoir faire des séances un petit peu plus longues, ça va améliorer ton rendement musculaire et la récupération. Et voilà, donc on vient de passer en revue les 5 compléments alimentaires utiles en musculation. Et laisse-moi savoir en bas dans l'espace commentaire quel type de complément alimentaire tu consommes, mais aussi quel est ton top 5 des compléments alimentaires que tu juges utiles. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le laisser savoir en likant, partageant et en t'abonnant pour ne rien rater de la sortie de mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !